Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon plaisir, on l'a fait encore pour ensemble pour nous présenter au programme ça. Dans l'encol, ici, jeudi, c'est mercredi 4 septembre 2024. Moi, c'est Jacques Lambélizère. Quelque un grand point, cap dominé, actualité. Premier ministre Gary Conny et président CPTA Edgar Leblanc-Fils. Aux États-Unis, Linda Sou, un ancien conseiller de gouvernement de New York, joint arrestation en bas accusation comme quoi elle était un agent gouvernement pays la Chine. Actualité électorale aux États-Unis, deux principales partis PIA qui prennent dans l'élection 5 novembre continuent à mener campagne sous plusieurs thèmes parmi l'économie alors qu'il était environ 2 mois pour présidentiel. Et puis, il y a une vague démission dans le gouvernement ukrainien, parmi eux, ministre Affaires étrangères, Kouleba Dimitro, pendant que la Russie menait une autre attaque éphraïque sur l'Ukraine. C'est point ça, yo. Avec notre encore, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Aujourd'hui, c'est, comme nous t'ai dit déjà, mercredi 4 septembre 2024. Moi, c'est Jacques Lambélizère. Nous prenons dans le développement actualité à gagner Haïti. Avec République Dominicaine qui a préparé pour recevoir dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, et dans Santo Domingo, capitale République Dominicaine, visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Sandra Lemaire, gain détail. Yon responsable replacé département d'État du VOA, secrétaire d'État Anthony Blinken pral voyager Haïti ak République Dominicaine semaine sa. D'après Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental, yo, Blinken pral visiter Port-au-Prince 5 septembre pour faire chita attendre avec premier ministre haïtien Gary Conny ak membre conseil présidentiel transition. Le secrétaire a réaffirmé l'engagement États-Unis prend pour appuyer le peuple haïtien et puis j'ai fort pour établir sécurité et la paix en Haïti. Le secrétaire a connu à conseil présidentiel transition va discuter tout son retour à Haïti sous chemin démocratie a besoin urgent pour organiser élections pour le peuple haïtien qui a déterminé propre avenir palais. Nichols dit États-Unis reconnaître que Haïti prend mesure importante pendant mois qui passé yo met sous nomination yo premier ministre avec ministre cabinet li gen si progrès vis-à-vis insécurité a tant que par exemple ouverture aéroport ou recommencement vol commercial yo et puis activité économique. Nichols dit mission sécurité Kenya mené ensemble avec la police nationale Haïti a fait progrès tout. Il dit nous constater une augmentation dramatique dans patrouille à coopération qui visait rétablir sécurité à au sens normalité en Haïti. Pendant visite en Haïti, secrétaire Blinken va rencontrer chef MSS là avec PNH là pour souligner engagement États-Unis prend vis-à-vis succès. On va discuter tout sous besoin Haïti dans le domaine stabilisation, développement et assistance humanitaire. Nichols pas répond directement question journaliste posée par rapport à Bouy Kapouri pour dire comme quoi États-Unis a cherché convertir mission MSS là à qu'aux forces traditionnelles maintient la paix l'ONU. When we had the opportunity to go to Haiti with Ambassador Greenfield, le nous te gen opportunité visiter Haïti à l'ambassade de Thomas Greenfield, le MSS là te commencé déployer et puis faire constat équipement yo gagnen ak base yo opération cap augmenté, nous te wè progrès vis-à-vis sécuriser Haïti. Mais nous besoin wè progrès politique, engagement à conseil présidentiel transition. Priorité secrétaire, c'est assurer progrès continuer vis-à-vis organisation élection. Donc par rapport à ça, nous gagnons une mission qui est efficace, jam et qui gagne capacité pour atteindre qualité progrès dans le domaine sécurité que le peuple haïtien mérite. Et nous travaillons avec partenaires internationaux pour établir un cadre qui assure financement nous qui fait confiance et puis disposition assez monde pour mission. C'est une priorité
et une mission maintien la paix officielle, c'est une façon nous ta capable accomplir objectif ça. Mais n'a gardé plusieurs options. Nichols dit département défense là bail plus passé 200 millions de dollars pour construction, opération et logistique dans zone côté base MSS là située. Nichols dit VOA États-Unis continue à encourager pays étrangers pour y contribuer l'argent dans trust fund MSS là pour courir mission plus. Journaliste y a demandé tout si secrétaire Blinken pral soulever question responsable conseil là qui indexé dans rapport corruption ULCCA pendant visite li. Certainly the secretary will raise the Dis-moi quoi certainement secrétaire pral soulever importance transparence par rapport à accusation qui gain pour wè avec dossier BNCA. Nous quoi responsable haïtien yo doué mener enquête sous ça et puis traîner responsable yo devant la justice. Moi su secrétaire pral soulever question ça pendant li en Haïti. Après visite li dans pays d'Haïti, Blinken pral prend avion pour la République dominicaine pour rencontrer président Luis Abinader avec responsable dominicain yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire, toujours dans le pays d'Haïti après rapport ULCC en parlant de unité lutte contre corruption. Eh bien, il y a une pile réaction qui sorti et côté le palais d'un pile l'argent l'État qui fait fond de environ 13 anciens diplomates eux-mêmes et qui n'ont pas paraît non. Et rapport ça, grand pile gros chabrak, ancien fonctionnaire que nous yon paraît nan dossier. Mais grand pile moun, grand pile observateur qui dit que c'est pas premier rapport que LCC fait sorti, gen rapport qui sorti déjà et que pas grand ken suivi au niveau la justice qui baille à rapport ça. Donc yon dossier n'a pas suivi et n'a pas le chercher. L'autre réaction, peut-être spécialiste dans la question et la loi ou bien moun qui impliqué non yon paraît nan rapport ça. Toujours dans le pays d'Haïti, et Premier ministre Gary Conny, il préside le 4e conseil gouvernement hier, mardi. Sécurité, t'es dans la discussion sérieuse. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conny préside à mardi dans la résidence officielle dans Musso, 4e conseil gouvernement depuis l'arrivée dans la tête primati. Pendant ces séance, il y a plusieurs questions importantes qui évoquaient dans le cadre processus transition. Parmi les principaux sujets qui étaient abordés, il y a la sécurité nationale, il y a un dossier brûlant dans l'actualité. Le chef gouvernement insistait sur la nécessité pour chaque ministre travailler dans la tête collée pour capable assurer bonne gestion transition. Nomination qui politiquement motivée, pas cadrée à l'accord 3 avril 2024 là, et feuille de route transition. De telles actions capables de menacer la stabilité du processus, là, c'est ça que le Premier ministre là avait dit pendant la réunion. Le 4e conseil de gouvernement, ça, c'est une opportunité pour le Premier ministre avec les différents membres du gouvernement, donc les ministres et certainement le directeur général de police, là, entre autres, pour discuter et sous d'abord la feuille de route du gouvernement, pourquoi pas. Les grands chantiers de la transition, qui c'est la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections, le rétablissement de la sécurité, la conférence nationale, la résolution de la crise humanitaire, le redressement donc, de l'économie. Discussion au Téchitato sous rapport mission officielle Premier ministre dans le département Nord et Nord-Est paysan, mise en place une plateforme numérique pour gestion agents contractuels administration publique yo, et puis tout préparatif budget pour exercice fiscal 2024-2025. Là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Emmanuel Docampil point qui était paraître dans discussion yo dans occasion conseil gouvernement ça qui était déroulé hier mardi et fond dit tout que et correspondant nous dans Port-au-Prince Steven Aristide lui-même il était gain une interview avec Jean-Jules Desaugustes qui c'est porte-parole la primature n'a gain pour nous retourner sous plusieurs dossiers que et ben correspondant nous t'est abordé avec porte-parole Prix Mathieu là. Ou toujours sous VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne, nous toujours dans l'actualité concernant pays d'Haïti, gain président conseil présidentiel transition en parlant de Edgar Leblanc fils, il renouvelé engagement KPTA pour rétablir l'ordre et sécurité, yon façon pour activer pour activité plutôt commerciale que gang armé écrasé capable reprendre comme ça doit. Déclaration
officiel sa fête nan clôture yon symposium entrepreneur haïtien yo organisé hier mardi 3 septembre. Yon reportage Renan Toussaint Port-au-Prince. C'est sous leadership Chambre commerce haïtiano-panaméen et caraïbéen différentes fédérations micro, petites et moyennes entreprises et centres commerciaux tabac organisé symposium ça sous thème stratégie ou relance activité secteur micro, petites et moyennes entreprises dans le contexte de violence groupe armé. Dans ce symposium, l'organisateur a adopté un accord économique baptisé Accord 3 septembre 2024, d'après Mme Luzette Vertilus. Nous sommes réunis à l'hôtel Caribé le mardi 3 septembre 2024 dans le but de clamer naissance à un accord économique visant à cœur. Entre l'État haïtien et les entrepreneurs de la classe moyenne qui ont soutenu pour pouvoir activité ça parce que nous pas les mettre la propre. Nous n'avons pas parole pour nous mettre dans le droit encore. Nous créons une force de pression côté qui va émerger dans secteur. Et secteur, nous sommes dans le secteur informel là pour nous capables de booster avec l'initiative ça pour aujourd'hui. Madame Luzette Vertilus, porte-parole structure ça, mandé pour l'État dégager le coup mettre Jean-Jacques, libérer pays d'Haïti en bas main nek armé pour toute activité économique yo capable reprendre comme ça doit. Président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils qui était participé dans clôture symposium ça répondre pour le dit la violence légitime reste et restera à l'État et à lui seul. Aussi, le Conseil présidentiel de transition a-t-il instruit le gouvernement et les forces de l'ordre de rétablir la sécurité et d'assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur de tout le peuple haïtien. Edgar Leblanc fils, by entrepreneur haïtien, yo garanti l'État pour l'accompagner dans chaque gain rapport avec relance économique yo sur toute étendue. Territoire national. Le rôle des pouvoirs publics est de renforcer les MPME en leur donnant accès au crédit, en les aidant à former les patrons et leur personnel pour améliorer la production, la gestion, le marketing de ces entreprises. L'État est disposé à jouer son rôle par-delà les difficultés et les aléas du moment. Nous bâtissons l'avenir. Nous sommes confiants. Demain sera notre pays. Département l'Ouest avec la Tibonite, c'est deux régions sayo qui plus frappées sous plan socio-économique en bas nèg ameyo d'après participants yo. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, ou toujours sous VOA Créole, on suit un programme dans langue créole haïtien. Yon ti pause avant nous entrer dans actualité internationale. Operator. Oui, ou toujours sous VOA Créole, ou à suivre un programme dans langue créole haïtienne, tant qu'on était pour maintenant entrer dans l'actualité concernant et actualité internationale là, eh bien aux États-Unis, Linda Su, yon ancien conseiller de gouverneur dans New York, eh bien joint arrestation en bas accusation d'est-ce que il était à yon agent double, il tape travail pour agent pour la Chine peut-être pour gouvernement la Chine. Valérie Saint-Louis depuis New York. Ça au même yo gen en pile difficulté kou yan la pou yo sorti h pou yo aller sen pou yo al acheter disons c'est Saint-Michel de la Talaye pour al acheter
pour retourner la caillou Saint-Michel de la Talaye. Et si la yo cap sorti Saint-Michel de la Talaye cap vin acheter un chou au plateau central, et ben ou même yo gen difficulté, et ben responsable a dit nous jodi a la y a met pied en terre, il déjà fait photo du matériel que yo a voyé sur route là là, et me penser demain matin n'a pas mesure justement pour que nous capable ba nous information finale et par rapport avec le travail que responsable a lui-même lui déjà voyé des techniciens pour aller faire sur route là. D'où madame Foucault c'est toute information ça que nous gagne pour aujourd'hui. Nous souhaitons nous passer une superbe journée. Merci beaucoup. Passez-moi la journée. Kembe fait. Hello Marcus. Bagayou en pile mais et on va même pas comprendre là. Pas comprendre que c'est courant qui produit péliglan qui a alimenté y par eux. Ça te penser. Parce que en principe Foucault suivant ça me comprendre très bien pour ce même gars qui travaille qui c'est dans génie électrique qui travaille dans EDH qui qu'on parler. Moi comprendre que pelig c'est tant que c'est pour EDH la produit courant. Effectivement. Tant que c'est pour l'État ou bien pour EDH. Mais comprend il pas comprend et tu as comprend l'autre beaucoup n'y a presque pas gagné affaire mon vobio. Sous-génère qu'on y a retourné vareux, c'est à coup c'est pour l'État retourné qu'on y a. Bon, il était pour l'État, il tourne pour l'État encore. Il tourne pour l'État encore. Exactement. Yo suppose que c'est des centrales énergétiques, yo, ça veut dire faut que yo produit courant. Donc comment pour ces pays capable alimenter, il pas ouais, pas comprendre. Ay balancer. Yo, bah là tellement fait tête en bas devant dans un pays d'Haïti, bon. Et nous ta clair ensemble avant, c'est une bagaille qui la cause assassinat Jovenel Moïse. Claire parce que Jovenel Moïse lui-même en soi te capé le dit et qu'on est qui te vin côté, il dit monsieur président, ou en un dossier courant ça au chaud, ou ap mouri. Oui. Parce que comment t'es ka comprendre? Yon homme signe un contrat ensemble avec l'État. Comprends bien. Signe un contrat ensemble avec l'État pour bail courant. Central là. Qui porte normal pas pour yo c'est pour l'État lié. Tout ça passe dans pays d'Haïti nous toute là n'a gardé oui central là c'est pour l'État et s'il vous plaît l'argent décaissé sorti dans BNC pour capable réparer central ici là encore l'argent pas réparer central Jovenel Moïse t'a expliqué ça. C'est Saint-Domingue là l'investi. Environ 29 millions de dollars. Oui. Et s'il vous plaît, qui gè courant, moun sak responsable qui signe un contrat pour bay courant, plus pas c'est 10 ans. Plus y a président passé. Oui. Président légal te cou dans transition. Moun sa a touché 12 millions chaque mois. Pour blackout. Et dans la coupe Port-au-Prince pour pipiti 4 heures de courant par jour pa gen. Avec vous connaît laisse ça fixer en nous dit sorti 8 heures du matin pour arriver midi gain courant tout le monde connaît laisse ça gain courant pas gain bagaille comme ça et kit gain manifestation kit gain l'oreille qui a gondé cyclone chaque mois 12 millions pour le joindre et côté bagaille la grave les Jovenel Moïse fouillé zone en cala lui dit bagaille la pas carré comme ça un central qui bail courant c'est pour l'État. Deux, l'État encore a payé en particulier pour bail courant. Oui. Donc, bagay la fin paraît compliqué. Et là que on a tap touché 12 millions par mois, Marcus, le président vini dit bagay la pa ka continuer comme ça. Li coupe courant. 1 million suffit seulement pour kraser pays à contre président. Claire. Déstabilisation. Exactement. Et quand bagay la triste, et Jovenel Moïse tap expliqué sa vidéo là. Là les plus loin pour le jour EDH bon côté pal gon 8 millions chaque mois ça veut dire pour seulement électricité chaque mois pays a dans caisse l'état gain 20 millions de dollars qui sorti et s'il vous plaît dans pays a côté bagaille la grave là encore moun qui t'a supposé là compagnie qui signe un contrat ensemble avec l'état pour bail courant c'est EDH qui t'a supposé à contrôler partie ça parce que ça c'est pour l'État. Nèg yo tellement puissant yo arrange yo met directeur EDH encore. Kounyo ka comprendre nan ki so pran. Non mais ça m'pa arrive comprendre tout à l'heure tout c'est que comment pour si pelig camper production il pa wè tout à zéro. Oui. Mais écoutez il pa wè.
Et actuellement là, mon nivel m'a plein et pas gain courant. Mon Port-au-Prince pas gain courant même. Côté l'autre centrale, le centrale là qui ça le fait, il produit courant. EDH pas produit courant côté lié. Yo produit ba EDH distribuer courant. C'est ça pour nous comprendre. Donc oui, capable gagner pelig effectivement qui t'a supposé bon pelig gain trois turbines d'a supposé jusqu'à 50 MW il produit même si pas la produit. Et l'autre qui a produit, il met son 30, il met son 40 MW. Qui veut dire en pile, pour nous comprendre. Et tu as supposé qu'il alimenter quelques zones. Qui veut faire me sentir que bon politique dans affaire courant ça. Et pas bon politique. Bon politique là. Parce que. Politique là. Et gardez bien, Marcus, désolé. Premier ministre Lavini, bon central électrique Kafou. M'kwe que vous connaissez. Oui. Avant Jovenel Moïse assassiné, le dédil pour l'inaugurer. Qui t'a pris le produit 60 MW. Donc, premier ministre vinil pour qu'on jamais visite sac pour l'État. M'kwa le fait n'importe de voyage dans Ipawe. Intérêt ou pas piti. Intérêt ou pas piti. Et t'as l'air ou passe sous dossier. Et peut-être que son le fonda font émission assez spéciale sous et qui ça qui a la base la moi Jovenel. M'en le temps d'en pile cause tout le temps. Même moi, m'en pas son aspect ou pas gardé. Surtout par rapport à cause courant. Et, une chose que nous comprenons, c'est que, ouais, Pelig te fait même avant, et 60 et sous Duvalier, il te kon fait, c'est pour question jardin, c'est pour ouze jardin, c'est pour ça, il te fait. Il te en barrage, et hydraulique, c'est pour, comme si de l'eau pour ouze jardin font série de barrage. Même Jean, Jovenel Feyoun, et Namarion. Les vins au barrage hydroélectrique pour produire courant, c'est à partir de. C'est américain au Greenfell. C'est américain. Faut que nous songions ça. Et tout ça qui est presque stratégique en Haïti, américain est même isolé. Tant que question énergie. Je dis pratiquement, je ne vais pas dire impossible, même ça, je dis impossible. Pas qu'il n'y a aucun monde qui a vu un projet courant, pour ce pas General Electric, pour ce pas compagnie américaine qui a contrôlé. Jovenel te forcé retirer deal que le fait à la Turquie, deal que tu as fait avec de l'autre pays pour choisir General Electric. Et c'est pas sans raison. Et parce que sa stratégique, gen des gros compagnies américaines qui pas jamais d'accord pour que Jovenel fait route ça. Vous ne comprenez ça parce que là moi Jovenel Moïse a sorti là tout. Non, clair. Parce que clair, parce que rappelons 2019, qualité manifestation que tu as gagné. Et yes. Même vidéo là, Dimitri Vob sur réseaux sociaux, il te dit, quand peuple gagne l'argent pour le payer courant 24 sur 24. Mais c'est pas même là seulement, non? Parce que où est-ce que tu as limité là, Dimitri? Bon, quand tu vas aller plus loin pour comprendre. Plusieurs présidents qui ont mouru ne peuvent pas comprendre. Moi, je dis que gros intérêt, yo, sorti dans le pays, arrivé aux États-Unis et font deal pour nous comprendre. Ou pas pour l'autre compagnie que compagnie américaine de des espaces stratégiques, des produits stratégiques en Haïti. Il n'y a pas sans raison que c'est General Electric, même s'il t'a bâillé une mauvaise qualité ou il t'a produit courant. Puis bah que Jean Latour qui t'a fait, il t'a fait lui-même. Et bon. Parce que il y a une bagarre qui était en planifié. Et je me suis émission déjà. Et bah, c'était passé sous ta et ça a quelques temps. Exactement. Et projet Jovenel là, c'était venir permettre que y ait des bateaux qui viennent là, turc, connectés avec centrale là pour alimenter, pour produire et puis alimenter. Mais ça pas fait parce que la Turquie est trop loin de Haïti et ça trop stratégique. Et c'est comme si nous d'adou, dans les États-Unis là pour ça vient fait. Il n'est pas normal. Non, pas gagné ou pas bon. Donc, là où est que y a des. Compagnie américaine ou bien des américains qui impliquent dans la mort Jovenel Moïse, faut regarder là beaucoup plus. Et le monde qui va mourir. Allez, Marcus, gon parti nous pas qu'à sauter. Sortir tellement important. Gagner les mercenaires qui dans pays d'Haïti. Divers nan yo déclaré que vini ou te vini dans pays d'Haïti, c'était pour un projet de développement. Yo parlé des questions électricité tout. Ma kon sou rapplo, nan kad dossier enquête yo tap mené sou assassinat président, le ap pose mercenaire yo question, pa bliye Vincent ensemble avec Solage, te toujours nan pays d'Haïti.
ensemble avec pasteur Christian Emmanuel ça non. Non mais sous prend Badjo. Badjo c'est ancien informateur dit yel yel il dit et il y a plusieurs enquêtes qui menaient, il y a plusieurs journaux et américains qui disent là pour un coup et Andal Sami Andal c'est ancien c'est monde qui était contre avec américain. Ça ça répond un secret que lié. Et moi un ami qui dit dans live là que central là pas pour américain, on connait pas dit pour américain toujours, même moi dit que tout ça qui stratégique yo. Moi dit que c'est à partir de c'est l'heure de l'occupation américaine qui peut finir quoi c'est à partir de 1930 que les transformer en yon centrale hydroélectrique, c'est yo même. C'est corps de génie américain qui dans l'armée américaine même qui contribuait dans construire avec des haïtiens. Effectivement. C'est ça lié donc qui vient faire que laissez moi même comme compagnie qui crée un bagaille pour ou même que pour le faire maintenance, que pour acheter boulon, turbine, c'est là quand même vous achetez parce que c'est moins que technologie là. Donc vous toujours un rapport ensemble avec moi, ça pour nous comprendre. Clair. Et ça pour me vendre nous Delco et puis tout pour comment pour ranger. Bon, l'on besoin ranger, la gè pièce qui crase encore c'est là quand même pour venir et ça lié. On a toujours font dit là voir moins former des monde qui pour ranger pour vous, mais c'est moins qu'a former monde toujours. Donc toujours et c'est moi même cap moi jeune moi et c'est moi même cap fabriquer pièces yo pièces yo ça vous comprendre donc même si la tu qui t'a bail courant à yon good lesco États-Unis t'a bail il y a 10 good c'est États-Unis cap gagne l'a toujours montré que la tu qui trop loin et ça li stratégique et c'est comme ça presque monde l'en fonctionner c'est comme ça lié donc le moi Jovenel Moïse même pas c'est que li sorti là il sorti sur l'autre côté ne pas jambe les garder ça fait technologie 4G là. Mon cher, bon, ouais, là, son gros causé. Là, son gros causé. Il y a un pile de nègres avec femmes qui ont sanctionné là, qui ont fait 4G là. Ancien président, petit, qui ont fait 4G là, qui n'ont jamais d'accord avec Jovenel Moïse. Bon, mon cher, ouais, ça m'a dit un petit débat. Ah, pas! Parce que nous avons avec dossier ça. Nous avons quitté là. Nous avons quitté là, on allait dans Gradas pour nous parler ensemble avec Frankel. Bonjour Frankel, encore une autre fois. Eh bien, même à ma cuisse là, nous avons ouvert les yeux population pendant que nous avons débattu ensemble. Il était extrêmement important pour nous faire parler ensemble avant, pour nous connaître comment la situation est dans le département Gradas pays. C'est ça, effectivement, ma cuisse à vous. Exactement. Allô, yes. Voilà, tout à fait. Bonjour le monde, bonjour Haïti, et bonjour spécialement la Grandance, Jérémie, capitaine de nous, Grandance, un débat à travers le monde. Bonjour, et nous comptons la ça pour que nous ensemble, de façon vous garder et comment Grandance qui s'attire d'actualité. Effectivement, nous levons l'environnement plus ou moins agréable, c'est vrai, pendant la nuit dans le chalet, à un petit genre à et de tracasser de marquer mon petit bébé, mon qui diabétique, tout ça, et de gagner une confortabilité pour que je sente que je suis confortable. Mais il faut que nous, dans les 5 heures, pour le 6 heures, environnement plus ou moins agréable, côté que selon ça, commentaire avec analyse, que nous avons plusieurs mondes qui ont commis. Et pour le moment, on a parlé là, c'est que mon yo levé. C'est vrai, il y a un pile là-dedans avec beaucoup qui va chercher côté de loyer parce que question de loi, les désordres, les pas, exemple, un pile monde, c'est obligé de parcourir des kilomètres avec d'allongement en mer pour aller prendre l'eau. Et de nos jours, les plus faciles pour que vous joignez de l'eau qui a coulé dans la rue et contrairement à Obinette Kaimounio, tandis que, et dit ça, lui-même à travers son technique. D'exploitation de question de l'eau à la niveau Jérémie, yo taxé mon yo pour abuser de l'eau à la caillou. L'autre point qui